Bon matin, j'espère que vous allez bien. On va faire une vlog de la journée. J'ai une journée qui va être très bien. I'm really excited about this day. On va passer la journée ensemble. Donc, comme vous voyez, je porte. Attends, est-ce que j'ai dit bon matin? Non, salut, c'est Aude, je suis du Sénégal et aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos. Ça me fait super, hyper plaisir. Donc, vlog de la journée, on va commencer par faire le sport. D'habitude, je faisais le sport chez moi, mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer. Je pars aux salles et je fais du lifting weight, genre de la puissance, quoi, tu vois. En fait, comme j'avais dit ça sur Instagram, ces 4 derniers mois, je me sentais pas si bien. Je pense que le fait que je voyageais beaucoup, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas le sport et d'habitude, c'est pas moi. Donc, j'étais toujours ballonnée, je me sentais hyper mal. Donc, quand je suis partie à Paris, je me sentais très très mal. Je me suis dit, ok, là, il faut que je change tout ça. Vous comprenez, donc là je me suis pris à main. Ça fait 3 semaines que je fais le sport intense. Pas intense, je fais du lifting weight et je fais du cardio. Je me sens hyper bien. On va commencer par le sport, c'est ça que je vais dire. Et c'est tellement cool de voir comment mon corps peut transformer en 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'étais pas contente avec mon corps, avec comment je me sentais. Et là, 3 semaines plus tard, I feel amazing. Et c'est fou comment un change de lifestyle peut changer tout. Je mange plus sainement. J'ai diminué le sucre. J'ai changé le riz avec le fonio. Mais je mange toujours du Thiebaudienna. Mais maintenant, je regarde un peu plus les portions. Je mange un peu plus équilibré. C'est ça que je vais dire. Et franchement, it's a lifestyle, it's amazing. Donc, on va partir ensemble à mon salle, à ma salle. Vous allez rencontrer la fille que je fais le sport avec. Elle s'appelle Lise. Elle est magnifique. Elle me pousse. Tout le temps, je me choque de toute façon. Et anyway, on va partir. Je parle trop. Après, on va juste passer toute la journée ensemble. Bye. C'est lui, Liz. Liz, elle n'a pas la pêche aujourd'hui. You tired? I'm tired. I did not sleep. Liz, and then I have oh, hier, I'm down hier. Anyway, donc elle me torture. Ça fait 3 semaines qu'elle me torture, mais de la bonne torturation, quoi. Genre, I feel so strong. Anyway, on va faire mon truc. C'est mieux. On y va. On the phone. My American. Liz, ça va? Mais Liz, il y a des gens qui sont très myself, I was dead wrong till I got the call, no cell phone. I got tired of walking around with a mask on, smiling with my heart, singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong till I got the call, no cell phone. Man, you talking to the real me. Je suis trop bien. Là, on va partir à la maison, on va chercher. J'adore trop Liz. Elle te pousse d'une manière qu'on m'a jamais poussé avec le sport, mais d'une manière très bien. On s'entraîne ensemble. Couple qui entraîne ensemble reste ensemble. C'est ça qu'on va dire. Mais lui, il fait ses propres trucs, quoi.
Yeah, I feel good. Je vais rentrer à la maison, je vais faire mon stretching. Et on va get ready. La journée, ce qui suit, je suis trop excited. Je vais vous dire ça après. So, venendam. Kisses. Dakar, n'yay, balas, palmas. Djongama, yaw, lai, khalad. Why am I singing this song? Dakar, n'yay, balas, palmas. I'm so happy and excited right now. Là, je m'apprête pour Valley, je vais faire mes cheveux, je vais les plaquer tout derrière. Donc, j'ai été invitée à Mariamaba, l'école qui se trouve à Goy. C'est leur semaine culturelle, c'est ça que je vais dire. Depuis que je suis là, on va dire que chaque année, ils m'invitent. L'année dernière, ils m'ont invitée, je n'étais pas à Dakar, j'étais à New York. Ma première année à Dakar, ils m'ont invitée. Je les ai rencontrés sur le chaloupe. Parce que j'ai l'habitude de partir à Goy. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux être juge, je ne sais pas quoi, pour leur journée culturelle, Miss T, section Miss P. J'ai dit oui. Donc cette année, quand ils m'ont écrit, je me suis dit que je me suis trop amusée la première fois. Donc on va partir là-bas. On m'a dit de prendre le chaloupe de 15h. Il est 12h30. Donc il faut que je vais tchap, tchap, tchap. Je veux sortir de chez moi maximum à 13h45 parce que... pas 13h. Oui, 13h45 parce que c'est vendredi. L'embouteillage avant que je me prépare. Attends, je vais les appeler pour voir si ça tient toujours ça. De 15h, c'est ça, le chaloupe de 15h. Oui. Ok, ça marche. Merci. Vous pouvez être accompagné, ça dépend de vous. Non, je vais venir toute seule, c'est gentil quand même. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok, okay, à tout à l'heure. Bye bye. D'accord, bye bye. Oh, elles sont trop choues. Okay, hair done. Let's do the hair now. J'ai fait mon queue de cheval là parce que c'est ça que j'ai envie de mettre. Parce que je vais plaquer tout. Parce que moi, je plaque toujours tout. Je vais mettre un peu la lumière. Plaque tout et je ferai le milieu. C'est mon style. Artless IO. Je vais faire, c'est que quand je vais me doucher, je vais les mouiller pour pouvoir mettre le... Edge control pour me donner le tali, mais vu que je vais mettre le ponytail, je vais yeah, avant j'utilisais un edge control depuis plus de 7 ans. Mais je suis partie chez House of Baccaro, j'ai pris ça et j'ai détrôné ça. Il est trop trop bien parce que moi j'aime pas trop les gels. Donc ça, ça part en consistance de gel. C'est comme si it's moisture. J'aime juste pas la texture de gel. Des fois, il est grumeté quoi. Des fois, il est dur, mais soft quoi. Donc je l'ai acheté chez House of Baccaro. Donc je l'adore trop. Vu que mes hairs sont mouillés, maintenant que mes hairs. Ouais, mes hairs, ok? C'est 13h07, je vais aller charger ça. On me dit où c'est meilleur. On fait le make-up ensemble vite fait, mais je vais pas parler après nous de me coller. You know, je vais faire un make-up simple, sans fond de teint, parce qu'il fait chaud. Je pars à Goy, actually. Very simple. Yeah, piano, c'est ma main. Donc on va se retrouver à Goy. Lindo.
bien arrivé à Corée. Non, ici, ici. Donc j'ai rencontré des anciennes de Maria Oba. Donc ils vont me montrer, on va partir là-bas ensemble. Néna, nous nous avons invité Wendy. Daily. Ancienne de Maria Oba. Donc, how does it feel to be ancienne and what does it mean to you d'être là en fait? Ah, c'est comme si on revenait à la maison. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment spécial de revoir tous ces bâtiments, toutes nos petites soeurs, etc. Mm-hmm. C'est magique. C'est magique. C'est vrai que, bon, peut-être on n'a pas les mêmes les éléments de notre promo ici, mm-hmm. mais comme on se sent un peu connecté, très connecté à la place, à l'environnement. Parfait. Mais c'est normal qu'on soit connecté en fait. On a passé 7 ans ici. Mm-hmm. Vraiment, moi, c'est comme si c'était un rêve qui se réalise en fait. Parce que je suis sortie l'année passée, je me disais, mais qu'est-ce que ça a fait de venir ici, de revenir, de voir les jeunes en tant qu'anciennes, quoi. Mm-hmm. Du coup, I'm so excited. Bon, merci les filles. Bye. C'est fini, bien, hein? Donc là, je viens juste d'arriver. Voilà Marianne, c'est elle qui Bonjour. M'a invitée. Merci quand même. Oui, tout le plaisir est pour moi. Là, on va un peu faire le tour de l'école pour voir ce que ça donne. J'ai jamais fait de tour. La fois passée, quand je suis venue, j'étais un peu en retard, donc je suis venue direct. Mais là, vu qu'ils n'ont pas encore commencé, je peux faire le tour. I'm excited. I don't know why, but I'm excited. On va dire là, ils sont en train de manger. Je suis venue tôt, je suis contente. Et quand je suis là, c'est vraiment l'excellence sénégalaise. C'est ça que je vais dire. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, je parlais à Marianne, la fille qui m'a invitée. Elle me disait qu'elle était intéressée par l'agriculture, la technologie, you know. Elle m'a dit quoi encore comme affaire avion. Je me dis, girl, look at you. Aussi, elle m'expliquait how like to enter Marianne. Donc, en fait, c'est les best des best qui sont là, tu vois. Après, elle m'a dit il y a des bonnes écoles aussi au Sénégal, comme celle-là. Un à Diourbel, Pérotechnique. Elle m'a parlé d'elle pas mal de choses. Donc, comme je dis, c'est vraiment l'excellence sénégalaise. Je suis tellement contente et ravie qu'ils m'ont invitée. Et it makes me happy, tu vois. Elle m'a dit qu'elle regarde mes vidéos et inspire her. Especially celle que j'ai fait avec Soufa, tout, elle m'a parlé de ça. Donc, ça fait plaisir de voir, tu vois, des jeunes femmes qui sont dans l'excellence sénégalaise, qui me suivent et qui trouvent que mes vidéos sont... sont inspiring, so it makes me happy, it makes me want to do more like inspiring videos like this. But anyway, ça va être bonheur, j'ai trop hâte pour la journée culturelle parce que la première année c'était trop fun, trop trop fun, so yeah. On va commencer. Les artistes qui viendront, les enfants, ont des compétences artistiques.
plus élevés que les autres. Il y aura donc parfois des peintres, des sculpteurs et d'autres personnes pour qui se sentent bien. Merci. Sénégalais consomment énormément de produits transformés, riches en matière à saturer, en sucre ajouté et en sel. Malgré la disponibilité de fruits et de légumes locaux, la consommation de ces aliments reste assez insuffisante. Les Sénégalais dépendent également énormément des céréales raffinées, telles que le riz blanc, la farine blanche, souvent appréciées. Bye bye, Gore. Merci de votre prénage.